aussitôt le départ. C'est parti pour cette deuxième épreuve. Départ un peu lent pour le nouveau Rain Must Fall. À l'avant, mon départ, Desert Boy, Ultimate Warrior, Ticket to Caro, Celestial Magma. Follow Shoot en troisième épaisseur. On retrouve Global Spectrum qui fait l'extérieur de Celestial Magma et fermant le cortège. Rain Must Fall. Les chevaux sont aux abords du tombeau Malartic et entament bientôt la descente. 1000 mètres à parcourir pour le favori Desert Boy, le numéro 1 avec Cacho Charaz qui prend 2-3 longueurs d'avance maintenant. Sur Ticket to Caro qui suit bien en deuxième position. Ultimate Warrior, Follow Shoot, un parcours difficile en troisième épaisseur. Celestial Magma qui court caché sur les barres. Global Spectrum dans le dos, lui, de Ultimate Warrior. Et à l'arrière, on retrouve Rain Must Fall, bientôt plus que 600 mètres à parcourir. À la rue du gouvernement, maintenant avec Desert Boy, toujours solide meneur, mais Ultimate Warrior va mettre quelque peu la pression. Ticket to Caro, un beau parcours. Follow Shoot qui tente de se rapprocher. Celestial Magma est sous pression. Global Spectrum également. Et à l'arrière, Rain Must Fall. Les chevaux abordent la courbe pour entrer dans la ligne droite finale avec Desert Boy qui lance le sprint. Ticket to Caro à l'extérieur. Ultimate Warrior tente de revenir. Desert Boy qui a toujours l'avantage. Cependant, Ultimate Warrior et les autres visiblement sont battus. Desert Boy va aller jusqu'au but aujourd'hui. Desert Boy sur la montée à Cacho Charaz qui s'impose devant Follow Shoot qui a eu un parcours difficile mais qui finit second. Ultimate Warrior par la suite. On retrouve Global Spectrum et Rain Must Fall. À l'arrière, Celestial Magma. Desert Boy qui est parti donc comme on le prévoyait déjà pour sa première sortie sur 1500 mètres. Il lui avait manqué un peu de résistance. C'était sa première sortie, mais sur 1365 mètres, ça a été donc beaucoup plus à sa convenance. Il est parti devant, il contrôle tranquillement donc le train sans être perturbé et en pleine ligne droite. Akash Ocharaz demande l'effort voulu et Desert Boy donc se détache pour s'imposer devant Follow Suit, je pense, qui prend la deuxième place face à Ultimate Warrior.